Richesse, premier épisode. Pour ceux qui sont nés en captivité, la liberté n'est plus un aliment. Quand je vais à Paris, je descends dans un petit hôtel de la rue du Dragon. Voilà 7 ans que je suis fidèle à cet hôtel et à ce quartier. Je suis ainsi fait qu'il me faut des racines, non pas seulement à l'endroit où naturellement l'homme les a, mais sur toute la surface de mon corps. Pour vivre, il faut que je sois tout poilu de racines, comme une sorte de fleur de mer, mais qui flotterait au milieu de la chair durcie des montagnes et des hommes. Depuis longtemps, j'ai fait amitié avec le patron de l'hôtel, sa femme et leur petit garçon. J'ai approché le marchand de journaux dont la boutique est à côté de l'hôtel. C'est un type blême et fuyant qui a des moustaches en mousse fatiguée, des yeux de velours, mais des paupières si lourdes qu'elles ont à la longue usé le regard jusqu'à ne plus laisser de lui qu'un fil soyeux qui se balance dans le courant d'air de la rue. De l'autre côté de la porte de l'hôtel, il y a un charbonnier bistrot. Quand j'arrive par le boulevard Saint-Germain le soir, la rue du Dragon est paisible et presque noire. On devine à droite une porte d'entrepôt. De l'autre côté de la rue, un étal vide, mais qui reste luisant parce qu'il a porté des poissons tout le jour et il est recouvert d'une pellicule d'écailles de toutes les couleurs. Le bec de gaz est au-dessus du numéro 27. La rue fait un peu le ventre. Mais la lumière glisse au ras du mur et vient d'en sauter sur les écailles de poisson. L'épicier a fermé sa boutique, le coiffeur aussi, le marchand de journaux. Tous. La rue est vide. Mais ils ont tous laissé comme des écailles devant leur porte. Quand j'entre dans la rue du Dragon, le soir, je me sens entouré de matière morte. J'ai essayé de comprendre le romantisme de l'ombre, de la rue, du bec de gaz, du trottoir. J'aime cette rue du Dragon plus que 100 000 rues de Paris, avec tout ce que vous voudrez me faire voir de plus beau, Notre-Dame, les îles, les jardins secrets entre les maisons, le ciel sur la Seine. J'ai donc souffert de la sentir morte. J'ai essayé de la toucher comme on peut toucher un vallon ou une montagne. Pas de réponse au creux de ma main. La matière dont est faite cette rue n'a plus de goût. La matière dont est faite la ville n'a plus de goût. L'homme a beau l'allonger en perspective et l'entasser en ordre architectural, elle n'a pour moi que la densité effroyable des choses mortes. Le patron de l'hôtel est de la Touraine. Un jour que j'en revenais, je lui dis « On est en train de refaire le pont de Chaumont ». Il appela sa femme pour le lui dire. Le charbonnier est des Cévennes. Je bois avec lui à son comptoir. Le marchand de journaux est Picard. Un soir de pluie, nous avons parlé d'Amiens et des plaines ondulées. J'ai remarqué qu'il avait des lèvres gourmandes et comme à vif. Le peu qu'il a de regard, il l'éteint, il l'allume comme il veut. Il lit. Il ronge la peau de son pouce gauche. Il est capable de parler de la Seine, mais je remarque que quand il le fait, il la dépouille de son harnais de pont, de son armure de palais et d'église, de son vêtement de maison, et qu'il en parle comme d'une rivière nue. L'épicier est piémontais. Il se souvient du col de la Blache. Il me fait entrer dans son arrière-boutique où sa femme a organisé un petit salon. Toutes les chaises sont ornés de broderies.
Le restaurateur en face de l'hôtel est parisien. L'autre marchand de bois au bout de la rue, du côté du carrefour de la Croix-Rouge, est vosgien. Il sait couper le bois de trois manières. Il a un coup de poignet encore intact et tout neuf. Quand il touche sa hache, la hache sait et obéit. Le soir, il n'est jamais là. Des fois, quand je rentre, je pousse jusqu'à chez lui et je frappe à ses volets. Il pourrait me dire ce qu'il pense de la rue morte, mais célibataire et robuste, il est parti pour des chasses faciles. Rien de ce que les poètes ont chanté sur la ville ne touche ces hommes. Le matin, je suis réveillé par le cri des vitriers et des marchands d'habits. Je vais tirer les rideaux de la fenêtre. Au-dessus de la rue s'est ouvert un abîme de ciel dont je peux imaginer la profondeur, mais pas l'étendue. L'odyssée des nuages, avec la formidable vie des monstres, sort de la toiture noire de la maison d'en face et disparaît caché par mon propre toit. Le ciel ne fait pas respirer. Il noie d'un seul coup les poumons comme la peur d'un gouffre. Dans cette ville où les hommes sont entassés comme si on avait raclé une fourmilière, ce qui me frappe, me saisit et me couvre de froid mortel, c'est la viduité, sentiment d'une avilissante solitude. Je n'ai pas l'impression qu'un seul de ces êtres humains s'occupe à des travaux naturels. Je sens tout ce à quoi la ville les oblige. Ils sont extérieurement déformés par le contact avec la cruelle matière de leur habitat. Il y en a qui n'ont plus senti de terre sous leurs pieds depuis qui sait combien. La petite peau extrasensible de dessous le pouce du pied et les grands marcheurs la conservent sensible malgré les marches les plus dures. Ce petit endroit par lequel, à mesure qu'on marche, on prend connaissance, n'a plus senti que le cuir, et sous le cuir, le trottoir. Il n'y a plus rien à connaître. Je regarde le marché des femmes qui vont chez mon copain l'épicier, celles qui passent par la rue pour aller à la station d'autobus de Saint-Germain-des-Prés. Il y en a qui n'ont pas de talons hauts. Elles pourraient avoir une marche normale, mais leurs pieds ne savent plus goûter la terre. Ils ont usé leur puissance divine sur de la matière artificielle, sans artère magique, du ciment mort, d'où il est impossible que surgisse cette élasticité électrique qui soulève et porte les pas. Je peux choisir, dans toutes celles qui passent devant moi, et classer sans me tromper celles qui sont nées à Paris et celles qui sont nées sur la terre. Il y en a qui sont déjà mortes jusqu'aux hanches, et j'en vois passer d'entièrement mortes, dont les chairs n'ont jamais connu le monde. Elles accomplissent des gestes sans signification, sans correspondance. Elles ne correspondent avec rien. Je suis entièrement seul au milieu d'elles. Je serai plus à mon aise dans le monde des poissons ou des abeilles. J'y sentirai mieux les prolongements de moi-même et l'accord avec l'essence même des choses. Tous ceux qui passent dans la rue du Dragon de 7h du matin à 9h, je les suis dans leur voyage et je ne les abandonne pas jusqu'à l'endroit de leur travail. Et je ne les abandonne pas pendant leur travail. Je ne les abandonne jamais. Maintenant, je pense à eux. Je suis le camarade à côté d'eux. Je suis le compagnon qui ouvre la porte, entre et m'assoit à côté de celui qui est assis et qui travaille, et qui m'assoit à côté de celle qui est assise et qui travaille, debout à côté de celui qui est debout, courbé à côté de celui qui est courbé. Le patron ne me voit pas et je suis assis à côté de toi, et je chuchote. J'apporte les forêts, les mers, les montagnes. Avec toi, je regarde le jour gris à travers les vitres de ton bureau. Je tape sur le clavier de la machine à écrire et je t'aide dans ton travail. Je fais avec toi la mauvaise menuiserie et je rabote le pauvre bois blanc qui colle au rabot, et avec toi je le peins
aux fausses couleurs du bois de chêne. Souvenons-nous, ensemble, toi et moi, des belles planches de chêne et de la scierie installées dans un vallon de la montagne. L'arôme puissant des troncs débités en planches par la roue te fait tourner le torrent. Je suis avec toi pendant que tu pèses les diamants. Je suis avec toi pendant que tu vends du drap, de la quincaillerie, des parfums, des chaussures, de la papeterie, pendant que tu emballes des livres, vends des journaux, sers dans les cafés, les restaurants, essuie la bière qui a coulé sur les tables, règle la circulation, conduit des autobus, ou les rames de métro, ou les taxis, roule les barriques de vin sur les quais, charge du sable dans des tombereaux, creuse des tranchées pour les tuyaux du gaz et les fils du téléphone, pave les rues, sténographie des lettres sous la dictée, donne des communications au standard téléphonique, frappe des tôles, rive des boulons, coupe le cuir, conduit des chalands sur la Seine, imprime la dernière édition. Je suis avec toi, quoi que tu fasses, et je te dis que le monde t'accepte tel que tu es, et qu'il n'a pas à pardonner parce qu'il n'y a rien à pardonner, et que les champs de blé, les prés fleuris, les glaciers, les torrents et les forêts de hêtre sont pour toi et t'appartiennent honnêtement avec toute leur pureté, comme ils appartiennent au Saint des Saints. Je voudrais que tu te serves de moi comme d'un objet familier, un stylo, d'un crayon qui a l'habitude de ta main, comme de ton vêtement journalier qui s'est déjà mille fois plié dans tes entournures, comme d'un objet que le monde aurait fait pour toi, comme un ami sur lequel on peut toujours compter. Et si tu n'en as jamais connu de cela, connais-moi et partons ensemble sur les routes. Thank you.
Les vraies richesses, toujours. Deuxième partie, le four à pain. Samedi matin, à 5 heures, avec encore la nuit toute pleine, on a entendu une longue tringle de fer qui sonnait contre de la pierre. C'était d'abord comme une cloche fine, puis on se disait « Non, ce n'est pas une cloche, mais qu'est-ce que c'est ?» Et on s'est réveillé. C'était le nettoiement du four sur la place. Il était tout en feu au milieu de la nuit, on avait retiré les braises et nettoyé pour enfourner. On pouvait voir autour 3 ou 4 femmes et allongées par terre de longues mannes de pâtre, emmaillotées comme des enfants de géants. Après, il a fait soleil. Il y avait une odeur de pain en train de se faire. À 10 heures, les enfants sont sortis de l'école, ils se sont précipités dans les maisons. Pas un n'est resté sur la place pour jouer. Seul le petit Nicolas est parti à travers les prés, car il habite à la Syrie, près du ruisseau. Il s'en allait de mauvais gré, il s'arrêtait de temps en temps, il regardait le village. À ce moment-là, il y avait un grand silence et l'odeur du pain. Alors 7 femmes sortirent dans la rue. C'est par hasard qu'elles étaient 7. Il y en a eu d'abord une là-bas au bout de la rue, près des champs, puis une autre près du bureau de tabac, puis une à l'épicerie, et ainsi de suite, comme si tout le village s'ouvrait. Elles portaient de grands paniers sur la tête. Elles marchaient lentement. Des enfants suivaient. Elles montèrent vers le four. C'était le samedi matin. On allait défourner la première grosse fournée du village. Luce du Jacques prit le griffard et ouvrit la porte. Il n'y a plus beaucoup d'oiseaux chez nous à cette époque de l'année, mais tous ceux qui restaient volèrent jusqu'aux 2 petits érables près du four. Ils se mirent à crier. Les enfants criaient. Tout un concert de voix menues, puis des voix d'hommes demandant ce que c'est, puis des pas d'hommes sur le chemin du four, des appels de femmes, tant l'odeur du pain maintenant était forte. Les enfants faisaient le cercle d'un peu loin, ils avaient laissé la place pour les grandes personnes. Les hommes entraient dans le cercle, ils disaient « Oh là !» Luce tirait les pains avec la longue pelle, les 7 corbeilles étaient rangées devant le four. Luce appelait « Noémie, Rose, Virginie, Elisa, Pauline, Amicia ah, !» Celle-là, c'est la femme d'un Italien d'ici qui fait le maçon. Puis elle disait « Moi !» Et elle faisait tomber un pain dans sa corbeille. Les autres, chaque fois qu'on disait leur nom, prenaient le pain. Les enfants parlaient à voix basse. Les hommes trouvaient que c'était beaucoup d'ordre. Il y avait 12 pains pour chacune. Le pain craquait de chaud dans les corbeilles. Luce fouillait dans le four avec sa pelle. Les enfants ne parlaient plus. Ils respiraient juste. Ils regardaient la bouche du four avec tant d'attention qu'ils faisaient des petits gestes sans s'en apercevoir. « Je ne la vois pas, » dit Luce. Virginie s'avança. Elle regarda dans le four, se protégeant de la chaleur avec sa grosse main. « À droite !» Luce enfonça sa longue pelle. Elle sentit qu'elle prenait quelque chose. Elle tira une grande fougasse au sucre. Tout le monde se mit à crier, les hommes et les enfants, les oiseaux s'envolèrent vers les prés. Rien que ce petit vol d'oiseaux faisait mieux ressortir notre solitude. Il n'y avait qu'à les suivre d'un œil. On s'apercevait tout de suite que nous étions seuls ici, entourés de forêts et de montagnes. Mais quelle joie ! Une longue fougasse à l'huile et au sucre, comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Depuis 3 jours, les enfants en parlaient. On tirait des pains coins, une boule de pâte et un coin au milieu. Ça avait une odeur de fruits chauds. « Allez chercher les corbeilles !» Les enfants coururent en criant, 3 d'ici, 1 de là, 4 de là-bas, criant comme des perdus. Au fond de leur corbeille, on mit les pains coins qui sont lourds et dessus on coucha la fougasse. Ils dirent qu'elle était mal placée, ils la rangèrent, ils se disputèrent. « Allez !»
dirent les femmes. Les hommes s'écartèrent, elles portaient des corbeilles de pain sur leur tête, elles descendirent le petit coteau, tout le monde suivait les enfants avec la fougasse et les pincoins. Les hommes, les autres femmes, les sept, ne marchant pas du pas de tous les jours, ils étaient obligés d'aller lentement à cause des corbeilles, de bien rouler des hanches, de porter les pieds d'aplomb, de se tenir droite. Elles descendaient lentement, comme ça, à travers le village. On entendait venir midi. L'Angélus sonna. Une sorte de désir logique, plus fort que la faim ordinaire, donnait faim. Nous pensions tous à l'odeur des moissons. Nous revoyons les champs de blé droit, puis la faux, puis les gerbes. Nous avions, pour la première fois, l'impression de faire ce qu'il fallait. Tout le village sentait le pain chaud. Richesse. Troisième partie, la danse et la musique. Les gens sortent de chez eux, montent chez le maire. Les filles s'appellent, elles se prennent par le bras. Deux, trois, quatre, cinq, six qui sortent de partout, courent se nouer ensemble et déjà chantent en sautant d'un pied sur l'autre. Jules revient en courant. Hé, tu te trompes de côté! « Je vais chercher l'accordéon. »« Mais, demande le curé, qu'est-ce que ça représente tout ça ?»« Venez avec nous. »« Monsieur le curé, dit Charles, vous qui êtes quelqu'un, voilà ce que vous allez faire. Allez à l'école, dites à la maîtresse que c'est vacances, c'est moi qui le dis, le maire, et amenez-la. » Il y va. Ils reviennent tous les deux. La maîtresse s'est mis une grosse cravate lavalière en faille qui craque sous son menton blanc. Les enfants bouchent la porte. « Entrez, les enfants !» Ils entrent avec précaution dans cette grande cuisine pleine de monde. Ils ne reconnaissent personne, ils sont un peu perdus, ils cherchent la maîtresse. Mais déjà, elle aussi, on ne la reconnaît plus. Ils cherchent leur mère d'une jupe à l'autre, comme des petits cabris dans le troupeau de chèvres. Enfin, on la trouve, mais ce n'est pas celle-là. Elle est toute changée, rien de ce qu'elle est d'habitude. Alors les enfants se réunissent entre eux dans le fond le plus sombre de la cuisine. En réalité, ils s'attendaient un peu à tout ça, et tout leur paraît naturel. De là où ils sont, ils ne voient que des pantalons de velours, des jupes, des souliers, des bas de femmes en grosse laine rouge, bleue, noire, brune, les plis des jupes qui se balancent en faisant onduler la grosse bordure de toile, verte, jaune, rouge, violette. Soudain, ils entendent un accordéon qu'on presse d'un coup jusqu'à la dernière goutte en guise de signal. Les hommes et les femmes se séparent. Les uns vont se mettre en ligne du côté de la cheminée, les autres du côté de l'armoire. Henri le Courteau monte sur la table avec l'instrument, il veut jouer une valse, mais on lui dit « Joue la prime vert !» Et il joue la prime vert. «
C'est une vieille chanson dansée qui date du premier temps de nos ancêtres. À cette époque, il y avait de gros hivers et toutes les maisons étaient encore dispersées dans la forêt. L'hiver était le temps de la solitude, des maladies, des morts et de l'égoïsme de l'homme. Rien ne chantait mieux à leur cœur que l'arrivée des primevères, quand le côté sud des talus se déshabille d'un coup de toute la glace. Ils en avaient fait une chanson dans laquelle ils étaient portés à avancer tantôt ce pied, puis tantôt l'autre, et enfin à danser. Henri joue la primevère. Il est devenu sérieux comme un pape. Il est là avec ses deux bras en arc. Ses grandes mains devenues légères et lentes caressent les notes de chaque côté de l'instrument. Il penche la tête. Il touche presque de la joue le soufflet noir qui respire. On ne parle plus. On ne bouge plus. Un frémissement rapide comme un vol de fauvette passe dans les branches. Maria, la laide, a levé la tête. Elle n'a plus son front de mouton. Elle n'a plus sa lèvre de chien. Ses yeux agrandis sont colorés d'un bleu pour qui est, tout est un délice. Elle ouvre la bouche, elle a mis sa voix juste et ronde entre deux notes qui l'emportent en même temps. Elle est sortie de la ligne. Ses bras se lèvent jusqu'à sa tête. Ses deux mains s'appuient sur sa nuque. Elle chante, elle s'avance. Son genou frappe sa jupe. Le bruit de ses pas, le bruit de sa jupe, le bruit de sa voix s'intercalent dans la musique d'Henri. Ils ont l'air de danser ensemble. Lui, qui ne bouge pas sur sa chaise, son visage triste penché sur la respiration de la danse. Elle debout, seule au milieu, faisant les pas, dressant les reins, levant la tête obéissante, attirée, commandante, glissant des pas dans toutes les ouvertures possibles, tout juste serrée contre Henri par cette voix solide comme un anneau de fer. La musique est pleine d'appels. Il frappe avec elle dans le rang des femmes. Ici, là, Luce, Jeanne, Rose, Marthe, Lisa, Louise, Madeleine, venez. Elles viennent lentement. L'alignement ondule comme s'il était devenu un serpent. Elles n'osent pas venir seules. Mais Henri a raison. Il les faut toutes. Il appelle. Il les attire par cette longue note comme l'appel du cabri, par ces trois tremblantes qui font sursauter le cœur comme la main sur un petit lapin. Il n'y a plus d'alignement, elle s'avance, elle chante, les genoux frappent les jupes, le bruit des pas, le bruit des jupes entre dans la musique, tous ensemble pendant qu'elles approchent de Maria qui danse sur la place, les attend, chante, danse, pas jalouse, sachant qu'il les faut toutes. Il faut tout dans le monde et plus encore. La musique frappe les hommes, ils frémissaient déjà, ils attendaient. Henri vient de déclencher tout le grand clavier des notes basses, pleines de joie, pendant que les femmes chantent « Primevère, primevère !» La voix noble des hommes répond. Il semblait qu'il n'y avait plus de place, il y a encore de la place pour cela. Il les fallait cela, ça va mieux, ils s'avancent, les pas sont plus forts, le plancher tremble, les vitres claquent, la suie tombe dans la cheminée, les dents... Les cendres volent, l'érable a peur, les chevaux crient, les moutons bêlent, le bélier frappe des coups de tête dans la porte. Virginie est belle, Maria est aussi belle, les hommes sont beaux, ils sont forts, ils viennent, il les fallait. Ils tapent du pied, ils baissent la tête, ils tapent du pied, ils baissent la tête. Comme le bélier, comme le bouc, comme les chevaux fiers, comme pour renverser des barrières, comme pour se libérer, comme pour s'arracher, comme avant de sauter. Les femmes sont belles. Elles s'avancent, se retirent, frappent la jupe, s'avancent, se retirent, frappent la jupe, comme pour s'arracher d'herbes prenantes, comme pour fuir, comme pour attendre, comme pour fuir, comme si elles étaient retenues par des herbes. Par les lianes, par les buissons, par les branches, par la forêt, par rien, par elles-mêmes, comme les brebis, comme les chèvres, comme les juments. Ils dansent le printemps. Thank you.
Manosque des plateaux. Édité par Edmond Charlot, celui-là. On ne pouvait pas décemment éditer le livre qui portait le nom de sa librairie, finalement. Alors, il a édité Manosque des plateaux et Rondeur des jours, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Charles Domins. Chapitre 1, ce beau sein rond est une colline. Je ne pourrai jamais retrouver le vrai visage de ma terre. Cet œil pur des enfants, je ne l'ai plus. Quand j'étais tout petit, je jouais, puis j'avais faim. Ma mère taillait alors une plate tartine de pain, elle la saupoudrait de sel, elle l'arrosait d'huile par un large huit de la burette penchée. Elle me disait « Mange !» Ce sel, il me suffisait de humer le vent odysséen, il était là, avec l'odeur de la mer. Ce pain, cette huile, les voilà tout autour dans ces champs de blé vert dessous les oliviers. Ainsi s'est aiguisée de longue habitude l'ardente faim de mon cœur. Jamais assez de ce pain, jamais assez de ce sel, de cette huile, ma mère. Avec mes joies, avec mes peines, j'ai mâché des quignons de ma terre et maintenant, la ligne où se fait le juste départ, la ligne au-delà de laquelle je cesse d'être moi pour devenir houle ondulée des collines, la ligne est cachée sous la frondaison de mes veines et de mes artères, dans les branchages de mes muscles, dans l'herbe de mon sang, dans ce grand sang vert qui bout sous la toison des olivets et sous le poil de ma poitrine. Ce beau sein rond est une colline. Sa vieille terre ne porte que des vergers sombres. Au printemps, un amandier solitaire s'éclaire soudain d'un feu blanc, puis s'éteint. Du haut du ciel, le vent plonge. La flèche de ses mains jointes fend les nuages. D'un coup de talon, il écrase les arbres et il remonte. Parfois, un aigle roux descend des Alpes, mais l'air des plaines proches ne le porte plus. Il nage à grands coups d'ailes et il crie comme un oiseau naufragé. Si on quitte le chemin, il y a les olivets envahis par les roses. C'est comme une peau de bélier qu'on a jetée sur les arbres. C'est épais et ça saigne. On a chaud là-dessous d'une lourde chaleur de laine. L'herbe sue. Pour sortir de cette ombre, il faut s'écorcher les mains. Un mois après, on trouve une rose séchée dans sa poche. Le grand talus se chauffe au midi, fleuri de serpents immobiles. Les lézards sont épais comme le bras. Ils dorment au soleil, puis sautent, happent et mâchent longuement des abeilles à goût de miel. Ils en pleurent des larmes d'or qui grésillent sur la pierre brûlante. La lagremuse est toute grise, avec des pattes comme un fil, une queue qui semble une ombre, mais elle a un cœur énorme, un cœur déchaîné comme un orage, et elle en est là, palpitante. Un mariage de gros frelons assomme les scabieuses de son vol aveugle. Les sauterelles se déclenchent et passent tout éperdues dans un seau, puis elles ouvrent leurs ailes rouges. Une caravane de fourmis, large comme une route d'hommes, coule sous les feuilles. Une procession de chenilles adore lentement un pin dans ses spirales. Une maison aux murs en coque de noix, bombée et ocre, craque doucement, écrasée sous sa charge de tuiles, de poutres et de soleil. Thank you.
des villages sombres, dans des vergers de pruniers, des villages qui ont leur compteur, comme on a son garde-champêtre, son facteur. C'est dans le jour parfois un savetier, parfois un charron, parfois un simple qui bavote doucement à l'ombre, à longueur de sieste. Mais le soir, on se réunit sous le grand mûrier de la place. On s'assoit sur les pierres froides. Il est là-bas, au milieu du rond, il a quitté sa savate et son fer, ou bien il a séché toute sa bave d'un grand revers de main. Il est tout imbibé de nuit, ses yeux sont vastes et clairs comme des poignées d'avoine, et le vent familier frise sa barbe et ses cheveux. Parfois le conteur ne compte pas, mais il lit un livre. Alors deux hommes sont près de lui et haussent les chandelles. De temps en temps, le lecteur s'arrête et dit « Mettez du sel !» Les hommes mettent des pincées de sel sur la flamme et l'on recommence à lire. Au dernier temps que les prunes étaient mûres, j'ai fait halte un soir dans un de ces villages. Une jeune fille me donna du café, puis elle mit devant moi une corbeille de fruits. Elle me dit « Mangez !» Elle allait à son ménage à travers la pièce. De temps en temps, elle venait au seuil voir si j'avais besoin de quelque chose. Je lisais à l'abri des fusains en caisse. Elle me demanda « Vous aimez la lecture ?» Je dis « Oui ». « Qu'est-ce que vous lisez ?» Elle se pencha vers moi, je m'excusais. « C'est de l'anglais. C'est Whitman. » Elle me demanda « C'est beau ?» Je lui dis « Écoutez. » Et je commençais à lui traduire très librement des versets qui étaient tout autant dans mon cœur que dans le livre. Elle écoutait. Quand je levais les yeux, elle me regardait en plein dans les yeux. De l'autre côté de la route, un homme emballait des fruits. Il nous regarda, il essuya ses mains le long de son pantalon et il vint. Le forgeron tapait à l'enclume. L'homme aux fruits cria « Sans sombre, tais-toi !» Sans sombre arrêta son marteau et s'approcha en tablier de cuir. Ils se sont assis à côté de moi. Quand je m'arrêtais, il demandait « Et après ?»« Et alors ?» Ils étaient six, maintenant. La jeune fille dit « Laissez-le, vous voyez bien qu'il est fatigué. » « Oui, » dirent les autres en soupirant. « C'est dommage que ce soit de l'anglais, » on ajouta. Et je promis d'envoyer une traduction. Et l'on me dit « N'oubliez pas, surtout. » « Et combien ça coûte ?»« Non, nous voulons le payer, nous. » Enfin. « Puisque vous êtes si gentil, nous acceptons. » « Et Delphine, donne ton adresse. » Je copiais l'adresse de Delphine. Depuis 3 mois, ils ont le livre. Je vois le conteur haussant Whitman dans la lueur des chandelles. J'entends sa voix. J'entends son silence quand il vient de dire « Mettez du sel !» Et le silence de ceux-là en rond, là, et qui écoutent, et qui sont dans la nuit, pleins d'une eau plus claire et plus verte que l'eau du Verdon. J'ai reçu une belle lettre de Sans Sombre. Non, je ne vais pas la recopier dans ce livre. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de mettre dans les livres.
Un jour, le jour où Edmond Charlot et Frédéric Jacques Temple se sont rencontrés, ils ont fait un échange. Charlot a donné à Temple un exemplaire des Noces de Camus. Et Temple lui a laissé quelques poèmes. C'était en 42, au moment du débarquement américain, je crois. Donc Charlot a lu les poèmes de Temple. Et Temple est reparti. On sait qu'il a été conducteur de char à Monte Cassino, etc. Et à sa démobilisation, il a reçu un recueil. Ce recueil, édité par Charlot, qui maintenant cherche d'ailleurs un éditeur, recueil de poèmes s'appelle « Sur mon cheval ». Et je vais vous lire, pour terminer, ce poème qui s'appelle « Sur mon cheval » de Frédéric Jacques Temple, édité par Charlot en 46. Sur mon cheval, sans armes ni bagages, je partirai un jour te retrouver. Je ne sais pas qui tu es, où tu es. Je ne sais pas non plus ton âge. Je ne sais pas en quel voyage, en quel monde te trouverai. Je ne sais comment te nommer, astre, cheval, ami ou femme. Mais je sais que tu as une âme quelque part entre les rochers, entre les fleurs, entre les vagues, sous les ailes des éperviers. Sur mon cheval, sans armes ni bagages, je chanterai pour t'appeler jusqu'au jour où je tomberai sans avoir jamais su ni ton nom, ni ton âge. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors voilà Patrice Villaumet avec ses instruments qui sont ses vraies richesses. Et Patrick Hannet, un amoureux des lettres.